Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Hop là. Hop. Allez, on est sur un nid de frelons asiatiques en centre-ville de Revel. Vous allez voir le nid de frelons, il est tout petit, mais il est très très mal placé. En fait, de compte, si vous avez envie de prendre une douche, bah, c'est pas possible parce que le nid de frelons il est dans la douche. Allez, je vous montre ça. Je pose le matériel. Hop. Allez, on va aller voir ça. Donc là, on est dans une cour et en fait, c'est une douche extérieure à l'intérieur d'une cuisine en fait. Alors, on est dans une cuisine et après, vous avez une douche tête, un petit frelon gardien. Donc ici, vous avez la douche. Salut, salut, il y a du monde. Voilà, une douche, regardez, vous voyez, il y a des pièges là aussi, il y a un piège là-bas aussi, donc vous avez vu le piège, ça n'empêche pas les frelons à faire un nid. Allez, je m'habille et on va les traiter ça, à de suite les Dédés. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, c'est parti. Alors, on va faire ça comme ça. Manque un peu de place pour tout ça. Bon, n'oubliez pas. Si vous avez un problème de frelon ou de guêpe, vous allez sur expertguêpefrelon.fr et vous trouverez un pro à côté de chez vous. Allez, c'est parti. On tourne la caméra. Allez, on va essayer d'en rentrer. Pas trop de place. Ah. Allez, je vous montre le nid un peu plus près. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Salut toi. Tu surveilles. Allez, on va mettre un petit peu de poudre, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Allez, poussez-vous. Il y a du monde. Voilà. On voit la reine. Allez, dans une douche originale. Ils se mettent partout. Hein. Petit pouce bleu. Voilà, ça va être une petite vidéo rapide, pas très longue. Mais c'est normal, c'est le début de saison. Allez, je range le matériel et je vous reprends. Ben voilà, l'intervention est terminée. Bon, j'espère que ça vous a plu, vous avez vu, ça s'installe partout les frelons asiatiques. Il faut faire vraiment attention. Dès que vous voyez un va-et-vient d'un point fixe,
ça veut dire qu'il y a un nid. Ouais. Et les pièges, ben, ça, vous pouvez les enlever, les pièges aujourd'hui, on n'attrape que des ouvrières. Donc enlever vos pièges, ça ne sert à rien. Voilà. C'est bien juste pour le début, ou à la limite, ceux qui ont des ruches, pour protéger leurs ruches, mais c'est tout. Allez, j'espère que ça vous a plu, un petit commentaire des familles, et moi je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelant ? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.